Ça peut le faire. D'ici là-bas, c'est pas cette poche là, du manteau. Manteau. Mets la poche du manteau. Ou bien tu les tiens juste à tes mains. C'est mon pied, mais j'aime pas. C'est bien. Non, ça me suit pas. Bien. Amsterdam. Journaliste, c'est bien. Thank you.
Thank you.
le Mali. Thank you.
quelques mètres de l'Elysée. Voilà, nous sommes à la rue de l'Elysée. Nous sommes arrivés à l'Elysée. Nous sommes arrivés à l'Elysée. Nous sommes arrivés à l'Elysée. Madame, s'il vous plaît. Pardon, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Position, toi bien en face. Prêt. Avancez. Je parle avec qui? Ok. Tout le monde s'arrête, s'il vous plaît. Tout le monde s'arrête. C'est clair? Tout le monde s'arrête. Si on peut se taire 5 minutes. Ouais, on va parler, ouais. Tout le monde s'arrête. Donc, c'est un ras-le-bol citoyen. On se dirige vers l'Elysée, justement, voir les responsables des choses qui se passent. Allez, s'il vous plaît. Les choses pour lesquelles nous sommes sortis. Avancez, s'il vous plaît. Juste là-bas, s'il vous plaît. Décalez-vous, s'il vous plaît. Décalez-vous, s'il vous plaît. Elle est déjà dans le trottoir. Allez, messieurs. Non, arrête de pousser. Elle est déjà dans le trottoir. Vous vous calmez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Les gars. Ne me poussez pas. Je suis sur le trottoir. Ne me poussez pas. Taire un peu parce qu'on s'entend pas. Mettez-vous là, je vais donner. Mettez-vous là. Les gars, faites-moi pas en arrière, je vous dis. Et monsieur, attendez. Vous donnez l'ordre aux policiers, moi je parle avec mes amis. Ils ne sont pas des policiers pour vous recevoir. Avancez, madame, s'il vous plaît. Donc vous avez dit de reculer. Madame, s'il vous plaît, avancez, s'il vous plaît. Ne me poussez pas. Alors allez-y, écoutez-nous, allez-y, madame. Madame, on vous a demandé d'avancer. Madame, nous sommes venus à l'Elysée. Madame, on va parler. Vous nous laissez arriver à l'Elysée. Ne poussez pas. Recule. Les gars, ouvrez-moi la voie là. On peut nous trouver à libérer. On demande ça. On veut notre pays à libérer. Voilà, prenez les vidéos. On veut notre pays à libérer. Allons-nous, s'il te plaît. Mets-toi là-bas. Voilà. Mets-toi là-bas parce que là, tu ne prends rien. On veut notre pays à libérer. On fait le discours. Et en avant. Vous, vous faites quoi encore? Reculez, vous arrêtez quoi? Laissez-la reculer, vous avez dit reculer, non? On s'arrête juste à partir. Arrête-toi là. Allez, monsieur, venez. Arrête-toi. Écoutez-nous, monsieur. Arrêtez-vous maintenant. C'est bon. Libérez Mali, libérez Mali, libérez Mali, libérez Mali. Les gars. Allez. Écoute, attends. Bon. Il y a quatre personnes parmi vous qui parlent. Le responsable a dit Monsieur, mettez-vous juste là. Vous restez là. Vous dites juste là. Restez à l'intérieur du groupe. Ok. Vous ne poussez pas. On dit. Monsieur, vous lui dire juste de rester à l'intérieur. Comment? Vous pouvez juste lui dire de rester à l'intérieur. Non, reste là. Non, mais vous reculez en même temps que moi. Vous me dites. Reste là. Reste là-dedans. Reste là. Libérez
libérer le Mali. Dans la boîte. Je vous ai dit rue d'Aguesso, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est juste à l'ombre, la prochaine. Non. Monsieur, armée d'occupation, armée nazie, on ne veut plus de vos esprits. Pour rentrer chez vous, on rentre chez nous. Pour rentrer chez vous, on rentre chez nous. Chacun rentre chez nous, maintenant. Armée française, armée nazie. Armée nazie. Armée nazie. Je préfère le cœur. On ne peut pas l'armée française. On ne peut pas l'armée française. On va vers la rue qu'ils ont dit là. Laissez-nous la marche, on va marcher. Mais comment on va marcher comme ça? Écartez-vous. Tu ne parles pas. Nous sommes dans la rue de l'Elysée, d'où vous voyez tous les policiers qui sont là parce que Emmanuel Macron a peur. Monsieur, je suis venu le chercher chez lui, à la maison. Chez monsieur, lui. On va là. Il a eu peur. Donc voilà, nous pouvons aller à l'Elysée avec tout ça. Non, on ne part pas là-bas. Nous, on rentre. Non, vous restez là. Non. Ces pièges-là, on n'en veut pas. Là-bas. On va là-bas. Non, on va c'est pas vous qui décidez. On va rentrer là-bas. Stop. Allez. On s'arrête ici. Les gars, personne ne bouge, vous ne parlez pas de faire, c'est dans les règles de l'art. Mon gars, écoutez, quand je dis on se calme, si on entre en embout ici, personne ne s'en sort. On se calme. On est venu à l'Elysée pour chercher leur chef, vous avez vu la preuve, il a peur. Parce que nous sommes là, à quel madame, il a s'il vous plaît. Attendez, monsieur, non. Il ne vous filme pas. C'est pas le problème, monsieur, on va prendre la pièce d'identité de tout le monde. Oui, elle va vous donner ça, mettez-vous à côté, elle va vous donner ça. On le fait selon les règles de l'art. Vous voulez qu'on ne vous filme pas, mettez-vous de côté, on ne vous filme pas. C'est simple. C'est pas le problème, monsieur, vous pouvez nous filmer, il n'y a pas de problème. Elle va vous donner la pièce d'identité. Allez-y, donnez-moi la pièce d'identité. On y va, alors. Vous vous mettez de côté, on vous donne les pièces d'identité une par une. Si vous venez comme ça, ça ne se fera pas. Vous vous mettez là, vous demandez la pièce d'identité, je vous le donne une par une. Oh, je suis sur vous, en position. Moi, je suis en position. C'est un ras-le-bol citoyen qui n'a besoin d'aucune autorisation. Vous comprenez? Emmanuel Macron vous a senti vous tous. Pourquoi a-t-il peur? On n'est pas armé. Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il peur? Quelle règle? Dans une manifestation citoyenne, il n'y a pas de déclaration. Et puis, ce n'est pas une manifestation, c'est un ras-le-bol citoyen, d'où les citoyens sortent de chez eux. Donc, ne vantez pas la loi. Je connais la loi. Ne vantez pas la loi. Parce que je connais la loi. Ce n'est pas une manifestation. Un ras-le-bol citoyen. Quand les citoyens sont en train, la constitution de la République est claire. Les lois françaises sont claires. Pas de déclaration administrative. À moins que vous ayez changé la loi. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que la France, tous les jours, change de loi, même ceux qui la semaine ne respectent pas. Donc, on va s'aligner, on va vous donner les pièces d'identité si vous le voulez. Mais vous vous mettez de l'autre côté, nous on se met de l'autre côté, on le fait selon les règles du jeu. Vous comprenez? Parce que les règles du jeu, c'est le jeu.
moi qui l'ai fixé. Nous sommes dans la rue Faubourg Saint-Honoré. La rue Faubourg Saint-Honoré. Donc la rue de l'Elysée. Nous sommes dans la rue. La rue de l'Elysée. Nous étions à quelques mètres du palais présidentiel d'où Emmanuel Macron a envoyé tous ces gens. Donc, on va d'ici, là-bas, on avance. Là-bas. C'est où ? Là-bas ? Ok, on se met là. Vous voulez qu'on vous donne quoi maintenant ? Vous voulez qu'on vous donne quoi ? Vous demandez les pièces d'identité, vous vous mettez là-bas. Nous, on vous donne le pièce. Pourquoi vous voulez qu'on aille là-bas ? Vous avez l'espace ici ? Faites les règles de l'Elysée. Le trottoir, c'est là. Le trottoir, c'est là. Le trottoir, c'est là. C'est ça. Alors, on reste là. Maintenant, calmez-vous. Hé, les gars, calmez-vous. On est déjà là. Le monde est sorti, l'Elysée est au courant parce qu'on est à quelques mètres de l'Elysée. On nous a stoppés à quelques mètres de l'Elysée. On est venu chercher Emmanuel Macron chez lui par rapport à ce qu'il fait au Mali. On sait que c'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui assassine, qui tue et qui viole. Quand l'armée française viole, c'est Emmanuel Macron qui viole. Quand l'armée française tue, c'est Emmanuel Macron qui tue. Quand l'armée française pille, c'est Emmanuel Macron qui pille. Voilà pourquoi nous sommes venus chercher le président chez lui. Il a eu peur. Regardez tout ça. Regardez tout ça qui est sorti. Donc, nous sommes à l'Élysée. Allez, libérons le Mali! Libérons le Mali! Libérons le Mali! Libérons le Mali! Portagez! Libérons le Mali! Les Maliens vont voir, les Sénégalais vont voir! Libérons le Mali! Libérons le Mali! A bas la France Afrique! A bas la France Afrique! A bas la France Afrique! Comment ils sont là, ils sont venus. Nous sommes venus que chercher Emmanuel Macron sans armes. Regardez comment nous sommes. Sans armes. On est venu chercher Emmanuel Macron. Non, pourquoi vous le prenez ? On y va. Vous me voulez ? On y va. Ne paniquez pas, soyez tranquille. C'est nous qui comptons des morts, pas mal. Vous voyez que c'est ça, c'est normal. Vous voyez que c'est normal. Tout le monde pleure. Ils sont en train de détruire le Mali. Ils sont en train de détruire le plus. Vous voyez que nous, on va avoir un peu de temps. Tiens, vous voulez avoir nous dans la rue. Voilà. Si vous voulez nous envoyer en Afrique, moi-même, je suis prêt à vous dire pour je m'en fous, je vais mon pays. Moi je vais mon pays, dites tout le monde, je vais mon pays. Je vais mon pays, je vais au Mali. Envoyez-nous au Mali, on s'en fout. Si vous voulez, envoyez-moi en Afrique. Moi je vais mon pays, je vais que mon pays soit libéré. Vous êtes en train de détruire nos places là-bas là. Vous êtes en train de détruire le Mali. C'est pas normal ce que vous êtes en train de faire là-bas au Mali. Si vous voulez, envoyez-moi en Afrique, moi je m'en fous. Je vais mon pays, vive Anassim Goïta. Vive le tradition! On le suit jusqu'à la fin du mois. Moi, je vais au Mali. Je vais au pays, moi. Je vais au pays. Vive en Afrique! Non, non.
balle est bien gardée. Tous les flas de Mali là sont en train de détruire notre langue. Même les poulets ont tué les poulets au Mali. Hein? Les flas sont détruits. Pillé la richesse malienne. Hein? C'est drôle ça. Même le flas. Personne ne perd cette langue. C'est pas normal. On soit tué comme des. Même les bêtes ont le droit au respect. Trop c'est trop, trop c'est trop, maintenant on a trop mal au Mali maintenant, on veut que Mali soit libéré. Moi je veux mon pays, vive le Mali, vive en Afrique. Vive en Afrique, vive au Mali. Vive à Simkoïta. Voilà. Vive la jeunesse africaine. Vive le tronc du sort. Il n'y aura pas de tranquillité, monsieur, vous le savez. Hein. Il n'y aura pas de tranquillité en France tant que l'Afrique n'est pas libre. Ça, c'est clair et précis. Il n'y aura pas de tranquillité. On va mettre les bombes, on va sauter comme des je sais pas, des terroristes. On va se faire sauter. Ce sera comme ça, il n'y aura pas de marche arrière, quoi. Ah ouais. La révolution de la jeunesse africaine. Pour libérer le Mali, il faut reprendre votre France CFA. Il faut tout reprendre. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. On veut plus de vous. On arrête de faire l'amour avec vous. C'est fini maintenant l'amour. On arrête. C'est le public qui est entre les dieux là-bas au Mali. Les frères et sœurs et les enfants. Le temps de l'amour. Même les femmes qui sont enceintes, ils sont entre les dieux là-bas pour rien. L'armée française de guerre. On ne veut plus accepter ça. On ne veut plus accepter. Il ne faut pas accepter que nos sœurs et les frères qui sont venus là-bas, que nous on va dormir, on ne veut pas dormir tranquille. On ne veut pas l'armée française au Mali. Libre en Suisse. Et décasse le CDA aussi, décasse l'armée française au Mali. On ne veut pas l'armée française au Mali. Décasse CDA, décasse l'armée française. Si vous voulez, envoyez-nous en Afrique, on s'en fout. Moi je préfère, je veux mon pays. Je veux que Mali soit libéré. Ils sont en train de mourir là-bas. Ça nous fait mal. Voilà. Voilà nos armes, on boit de l'eau, on se ressource. L'eau c'est la vie. Montrez les caméras s'il vous plaît. Mali on ne va pas en Tout ce qui se passe au Mali, nous on en a mal, ça nous fait mal, on veut que le Mali soit libéré. Vive la Russie. Vive la Russie. Vive Poutine. Vive Poutine. Voilà. Vive le Mali. Wallah, y'a notre Mali qui sera de Beka, Aramadé Daka, Kantike. Pour que Mali qui s'est libéré, Malandé qui s'est libéré. Ni Mata y'a la digue à moi quand Kantike, Allah qui n'a pas fait. Ni Mali qui sera de Bom, Aramadé Daka, qui s'est libéré. Allez, m'a carré Kantike. Il y a Wallah. Je vais mon pays. Je vais mon pays. Bon Mali, bon. Je vais mon pays.
Vive le Mali. Vive le Mali. Non, à bas la France Afrique. Vive Assimi Goïta. Vive le train des sorts. Voilà. Voilà, fouille. Allez, t'as le temps, voilà, c'est bizarre. Fouille, fouille,